La présidente de la Banque centrale américaine, la Fed, Janet Yellen, a répondu aux questions de plusieurs membres du Congrès mardi, portant notamment sur les effets de l'économie sur les taux d'intérêt. Mais ces réponses n'ont rien révélé sur d'éventuels changements sur les prévisions prudentes qui ont été dévoilées la semaine dernière. La Fed ne rehaussera pas les taux, du moins pas pour le moment. À moins de 48 heures du vote sur un possible retrait de la Grande-Bretagne de la zone euro, deux des plus grandes banques centrales du monde se préparent au contre-coup. La crainte que la livre sterling et l'euro ne dégringolent inquiète le président de la Banque centrale européenne. C'est difficile de spéculer sur ce qui va se passer d'une manière ou d'une autre. Et laissez-moi vous dire que nous nous préparons à toute éventualité. La présidente de la Banque centrale américaine, Janet Yellen, a lancé un avertissement mardi lors de son discours biannuel devant le Congrès. C'est à eux de décider. Je dis simplement que la décision pourrait avoir des conséquences économiques qui seront pertinentes pour la perspective économique américaine et nous devons suivre de la situation de près. Madame Yellen a aussi dit que le soi-disant Brexit fait partie des calculs de la Fed pour fixer les taux d'intérêt. Tout comme elle l'a fait la semaine dernière, Madame Yellen s'est montrée moins optimiste au sujet de la croissance de l'économie américaine cette année. Elle maintient son approche prudente qui avait annulé quatre hausses potentielles juste avant la fin de l'année dernière. En plus, le ralentissement de la croissance chinoise et la chute des prix du pétrole, elle a souligné la croissance du nombre d'emplois plus faible que prévu aux États-Unis en mai. Un demi-million d'Américains ont aussi abandonné leur recherche d'emploi. C'est important pour nous de voir des progrès sur le marché du travail. C'est quelque chose que nous voulons évaluer de près et cela retient toute notre attention. Les taux d'intérêt aux États-Unis sont près de zéro depuis 2008. Madame Yellen n'a donné aucun indice sur le moment où elle pourrait les rehausser. Les gouverneurs doivent se rencontrer à nouveau fin juillet.